tu m'emmènes, Seigneur, Seigneur, tu m'emmènes, tu m'emmènes, Seigneur, 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 tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Father, we worship you. We celebrate you this morning. What another awesome time to appear before you. You deserve all the glory. Lift your voice to heaven this morning. Magnify him, he is worthy to be praised. Father, we thank you. We celebrate you. Thank you, gracious Father. Blessed be the name. Not unto us, Lord, to you be all the glory. We glorify your name. We exalt you. Take your place in our life this morning. For in Jesus' most glorious name we have worshiped. And shout a big amen. He has not asked the seed of Jacob to seek him in vain. Say, Abba, Father, make this service my service. Abba, Father, make this service my service. Give me an encounter in the name of Jesus Christ. So lift your voice to heaven this morning. In the next 2-3 minutes, begin to say, Abba Father, et dites, Abba Père, make this service my service. Fais de ce service mon give service. Me an encounter in the course of this service. Accorde-moi une rencontre dans ce give service. Me an encounter in the course of this service. Accorde-moi une rencontre au cours de ce in service. The name of Jesus, Father, au nom de Jésus Père, make this service my service. Fais de ce service mon give service. Me an encounter, Lord. Accorde-moi une rencontre, give Seigneur. Give me an encounter, Lord. Accorde-moi une rencontre, Seigneur. I refuse to return the same way I came. Je refuse de repartir la même personne. I refuse to return the same way I came. Je refuse de repartir la même Father, personne. Father, give me an encounter. Donne-moi une rencontre. Give me an encounter. Accorde-moi une rencontre. Let everything that represents curse in my life be reversed to blessing. Que tout ce qui représente la malédiction soit changé en bénédiction. Whatever represents curse in my life, my family. Tout ce qui représente la malédiction dans ma Father, famille. Father, reverse it to blessing. Faire chance cela en bénédiction. Let the name of the service answer for me. Que ce service réponde à son Let nom dans ma vie. Let the name of this service answer for my family. Father, I am here for an encounter. Père, je suis là pour une rencontre. Give me an encounter, Lord. Donne-moi une rencontre, Seigneur. Thank you, Father. Merci, Père. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Blessed be the name. Béni soit ton nom. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Thank you, Lord. Seigneur. For in Jesus, oh, most glorious name, glorieux we de Jésus, have prayed. Nous avons prié. Our Father and our God, we are grateful for another awesome time to appear before you. Notre Père, notre Dieu, nous sommes reconnaissants pour un temps merveilleux apparaître devant toi. Daddy, you have not asked the seed of Jacob to seek you in vain. Papa, tu n'as pas demandé la postérité de Jacob de te chercher en vain. We have come for an advancement this morning. Nous sommes venus pour recevoir un avancement ce matin. We believe in you, Father. Nous croyons en toi. Let today's service answer to His name in our lives. Que ce service réponde à Son nom dans nos vies. And we vow to return the glory to you. Et nous faisons le vœu de te retourner toute la gloire. Sweet and lovely Holy Spirit of God.
Doux et aimant Saint-Esprit de Dieu. I decree for you a lot to manifest this morning. Je décrois afin que toi seul sois manifesté ce matin. In Jesus' most glorious name, au nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Shout a big amen. Dites la main très fort. Give the Lord a big clap of you once acclamez again. Pour le Seigneur. As you probably have your seat. S'il vous plaît, asseyez-vous. Hallelujah. Amen. Once again, on behalf of Jesus Christ, the owner of the church, de la part de Jésus-Christ, le propriétaire de l'église, I welcome you all to this breaking generational curse service in Jesus' name. Je vous souhaite la bienvenue à ce service pour briser les malédictions générationnelles au nom de Jésus. The good news is this. La bonne nouvelle est celle-ci. It will answer for you and your household. Ce culte répondra à son nom pour vous et votre famille. Any trace of curse in your life and family. Toute trace de malédiction dans votre vie et votre famille shall be erased permanently today. Sera annulée permanemment aujourd'hui. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Remember the prophetic focus for the month. Souvenez-vous de la cible prophétique du mois. I will not leave you helpless. Je ne vous laisserai pas impuissant ou sans aide. I will not leave you helpless. Je ne vous laisserai pas impuissant. And the teaching series, Understanding the Ministry of the Holy Spirit. La série d'enseignement, c'est comprendre le ministère du Saint-Esprit. When your understanding comes alive, lorsque votre compréhension est ravivée, then your understanding in life becomes unstoppable. Alors vous allez être démarqué dans la vie et y être inarrêtable. No man can excel. Aucun homme ne peut exceller. Except the help of a divine power. Si ce n'est par l'aide d'une puissance divine. So there is no one excel in the energy of the flesh. Personne ne peut exceller avec l'énergie de la chair. There is always a divine backing. Il y a toujours besoin d'un soutien divin. And the good news is this. Et la bonne nouvelle est celle-ci. You have the backing of the creator of the universe. Vous avez le soutien du créateur de l'univers. You have the backing of what created the universe. Vous avez le soutien de celui qui a créé l'univers. The force that created the universe. La force qui a créé l'univers. Genesis chapter 1. Genèse chapitre 1. From verse 1. À partir du verset 1. He said, in the beginning. Au commencement. God created the heaven and the earth. Dieu créa les cieux et la terre. He said, and the earth was without form and void. Et la terre était vide et informe. Then here he said, and the spirits. Et l'esprit. Move. S'est mouvait. God cannot do something without form and void. Dieu ne peut rien faire lorsque ses formes et informes. Between creation. Il a créé. And the spirit move. Et l'esprit est entré en action. Something happened. Quelque chose s'est produit. That make everything to look without form and void. Qui a fait que tout ce qui était sans forme est vide. The moment the Holy Spirit came into action. Lorsque le Saint-Esprit entre en action. And he said, let there be light. Il a dit qu'il y a la lumière. The whole thing that looked without form and void. Tout ce qui était sans forme et qui était vide. Began to take its shape. A commencé à prendre une forme. I have a good news for you. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Whatever look without form and void. Ce qui semble être vide et whatever dans look vie. Bitter on your life. Ce qui semble être amer dans votre vie. Of your life that look bitter. Quel que soit le domaine qui semble être amer. As the Holy Spirit move now. Maintenant que le Saint-Esprit est en action. They begin to take its shape. Cela va commencer à prendre forme. Your business is taking its shape. Vos affaires prennent forme. Your health is taking its shape. Votre santé prend forme. Your finance is taking its shape. Vos finances prennent forme. Your marriage is taking its shape. Votre mariage prend forme. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Say everything was without form and void. Tout était vide et informe. The moment the Holy Spirit swept into action. Lorsque le Saint-Esprit entre en action. Everything began to take its shape. Tout commence à prendre forme. And in verse 31. Et au verset 31. Of that Genesis chapter 1. De Genèse chapitre 1. Everything became good and perfect. Tout a été déclaré bon et parfait. Before the end of this month. Avant la fin de ce mois. Every aspect of your life is coming out good and perfect. Tout aspect de votre vie sera every bon aspect et parfait. Of your life. Tout aspect is coming out good and perfect. Sera déclaré bon et parfait. Hear me. Écoutez-moi. This month will not end. Ce mois ne terminera pas. Until your life takes its good shape. Tant que votre vie n'aura pas récupéré this sa bonne month forme. Will not end. Ce mois ne terminera pas. Until your life takes its right shape. Tant que votre vie n'aura this pas pris la month forme will correcte. Not end. Ce mois ne terminera until pas. Until you take your place in the community of life. Tant que vous n'aurez pas occupé votre this place month will not end. Ce mois ne terminera pas. Until your health is restored. Tant que votre santé ne sera this pas month will not end. Ce mois ne terminera until pas. Your glory. Tant que your gloire, honor. Votre honneur, your virtue.
breakthrough, your peace, your joy, your lifting is restored. Au nom puissant de Jésus. We discovered that the Holy Spirit is manifest in diverse facets. A diverse manifestation. It manifests in diverse facets. Il a diverses manifestations. That's why it's called the Spirit of Grace. Et pourquoi on l'appelle l'Esprit de Grâce. Revelation chapter 5 verse 6. Apocalypse chapitre 5 verset 6. Say, and I beheld. Et je contemplais. And lo, in the midst of the throne and of the four beasts. Et je vis au milieu du trône des quatre êtres vivants. And in the midst of the elders. Et au milieu des vieillards. Stood the lamp. Un agneau qui était là. As it had been slain. Comme immolé. Having seven horns. Il avait sept cornes. And seven eyes. Et sept yeux. Which are the seven spirits of God. Qui sont les sept esprits de Dieu. Sent forth into all the earth. Envoyés par toute la terre. The seven spirits of God. Les sept esprits de Dieu. Sent forth. Ont été envoyés. Into all the faces of the earth. Sur toute la terre. So this is why the Holy Ghost. Et donc c'est le Saint-Esprit. Is referred the Spirit of Grace. Et appelé l'Esprit de Grâce. That is the source of multifaceted engracement. Il est la force pour le revêtement de grâce de toute that forme. That enable believers. Qui va permettre aux croyants. To fulfill their glorious destiny in Christ. D'accomplir leur destinée glorieuse en Christ. So the seven spirit of God. Donc les sept esprits de Dieu. That is sent to all the earth. Qui ont été envoyés sur toute la terre. Are meant for your glorification. Ont pour mission de vous emmener dans votre so gloire. So until you understand the operational. Donc vous ne comprenez pas leur opération. And you align to the operational. Et vous alignez à cette opération. Your expected glorification will be a mirage. Votre glorification attendue sera un mirage. For by strength shall no man prevail. Car par la force aucun homme ne prévaudra. That's why I started by saying understanding bring outstanding. C'est pourquoi j'ai commencé en disant c'est la compréhension qui vous permet d'être understanding remarqué. Bring outstanding. La compréhension vous permet d'être démarqué. Hebrews chapter 12 verse 28. He said, wherefore, de ce fait, we receiving a kingdom ayant reçu un royaume, which cannot be moved. Qui est inébranlable. Let us have grace. Recevons donc la grâce. Whereby we may serve God acceptably. Rendons à Dieu un culte qui lui soit agréable. With reverence and godly fear. Avec piété et avec crainte. We have received a kingdom. Nous avons reçu un royaume. Which cannot be moved. Un royaume qui est inébranlable. It means God's way of life is not alterable. C'est pour dire que le style de vie de Dieu there n'est pas comparable. There is no alteration in the way of God. Il n'y a pas d'alternative dans les voies de Dieu. Hallelujah. Amen. As it was in the beginning. Comme ça a été au commencement. So it is now. Il en est ainsi maintenant. So it shall continue. Il en sera toujours ainsi. When you understand the oppression. Lorsque vous comprenez les opérations. That answer for Noah. Les opérations qui when you understand the oppression. Vous comprenez l'opération. That answer for Abraham. Qui a répondu pour Abraham. When you understand the oppression. Parce que vous comprenez l'opération. That answer for Apostle Peter, Paul. Qui a répondu pour Pierre et Paul. John the beloved. Jean le bien-aimé. And you apply them. Et vous appliquez ce you principe. Command the same results. Vous allez commander les mêmes résultats. That's why I said we have received a kingdom. C'est pourquoi il dit, nous avons reçu un royaume. Which cannot be moved. Qui est inébranlable. All these men took advantage. Tous ces hommes ont profité. Of the Spirit of God. Ont tiré profit de l'Esprit of de the Dieu. Multifaceted dimensional operation of the Holy Ghost. Tous les multidimensions du Saint-Esprit. I see it working for you from today. Et je vois cela commencer à produire pour vous. Last Sunday. Dimanche dernier, we look at the spirit of revelation. Nous avons examiné l'esprit de révélation. We look at the spirit of revelation. L'esprit de révélation. And we saw how revelation et nous avons vu comment la révélation can turn a nonentity to a celebrity. Peut faire d'une personne sans importance une célébrité. Hallelujah. Amen. Revelation can turn a nonentity to a celebrity. La révélation peut faire d'une personne sans importance une célébrité. Genesis chapter 13.
Genèse chapitre 13. Read from 13 to 15. À partir du verset 13 au 15. That's what God said to Abraham. Dieu a dit à Abraham. As far as you can see, aussi loin que tu peux voir, I have given it to you. Je te l'ai donné. As far as you can see, aussi loin que tu peux voir, that is revelation. Ça c'est la révélation. Joseph emerged a prime minister in the foreign land. Joseph a émergé premier ministre dans une terre étrangère. Among the spirit of God that was at work in his life. Parmi les esprits de Dieu qui étaient à l'œuvre dans sa vie. Was the spirit of revelation. Était l'esprit de révélation. Hallelujah. Amen. The spirit of revelation. L'esprit de révélation. He would have ended up. Il aurait terminé. Being an executive housekeeper. Il aurait simplement fini concierge dans une maison. In the house of Potiphar. Dans la maison de Potiphar. With the offer Potiphar's wife offered him. Avec l'offre que lui a proposé la femme de Potiphar. He would have ended up just being executive housekeeper. Il aurait pu terminer simplement gouvernant dans une maison. But he had a revelational knowledge. Mais il avait une connaissance révélée. I am going somewhere. Je vais quelque part. I am unstoppable. Je suis inarrêtable. I will not allow this to stop me. Je ne vais pas permettre à cela de m'arrêter. Someone hear me this morning. Quelqu'un écoutez-moi ce matin. I don't care where you are now. Peu importe là où vous êtes aujourd'hui. I have a good news for you. J'ai une bonne nouvelle pour you vous. You are going somewhere. Vous allez quelque part. You are unstoppable. Vous êtes inarrêtable. Listen to me. Écoutez-moi. The spirit of a revelation make me to understand. L'esprit de révélation m'a amené à comprendre. That there are only two forces that can stop you. Qu'il n'y a que deux forces qui peuvent vous arrêter. Number one. Première force. God. Dieu. Number two. Deuxième force. Yourself. Vous-même. Only two forces. Seules deux forces. Can stop you. Peuvent vous arrêter. God. Dieu. Yourself. Et vous-même. Hallelujah. Amen. Not the devil. Pas le diable. The devil have no capacity to stop you, sir. Le diable n'a pas la capacité de vous arrêter. The devil knew what Joseph was meant to be. Le diable savait ce qu'il allait advenir de Joseph. He enticed his siblings. Il a séduit ses frères. To hate him. Afin qu'il le haïsse. He enticed them to drop him inside the well. Il les a séduits afin qu'ils le jettent dans le puits. He enticed them to say no, you better make money out of him. Ils l'ont séduit de sorte qu'ils se sont dit vendons-le pour nous faire de l'argent. Just sell him off. Vendons-le. And make some good money. Et faisons-nous de l'argent. He enticed Potiphar's wife. Il a séduit la femme de Potiphar, le diable. To stop him. Pour arrêter Joseph. Potiphar said, okay, instead of me killing him. Instead of me killing him. Plutôt que de le tuer. Let me dump him in the prison. Laissez-moi le mettre en prison. Can you understand what I'm saying now? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? So the devil cannot actually stop you. Donc le diable ne peut pas vous arrêter. Only two forces can stop you. Seules deux forces peuvent vous arrêter. God. Dieu. And yourself. Et vous-même. So if it's only God and yourself that can stop you. S'il n'y a que Dieu et vous-même qui peuvent vous arrêter. Hear God's part. Écoutez la part de Dieu. Tell John verse 2. Dans 3 Jean 2. The beloved. Bien-aimé. I wish you above all. Je souhaite par-dessus tout. Above all. Par-dessus tout. That thou may prosper. Que vous prospériez. And be in health. Et soyez en bonne santé. Even as your soul prospereth. Tout comme prospère votre âme. So if God's part is for you to be above all. Donc si la volonté de Dieu pour vous c'est que vous soyez au-dessus de tout. Proverbe 4:18. Proverbe 4:18. Your part is to shine brighter and brighter. L'éclat de votre sanctification. Until the perfect day. Et priez jusqu'au jour. This is God's part. Ça c'est la partie de Dieu. So it means. Donc ça veut dire. You are actually the one determining where you are now. C'est vous qui déterminez là où vous êtes aujourd'hui. Hallelujah. Amen. So where you are now. Donc là où vous êtes aujourd'hui. Is actually determined by you. A été actuellement déterminé par vous-même. God's part. La volonté de Dieu. Is for you to keep advancing. C'est que vous continuez à avancer. God's part. La volonté de Dieu. Is for you to keep glory. C'est que vous continuez à aller de la gloire. Going up and up and up. Que vous ayez d'un niveau à un autre. So the devil is irrelevant. Donc le diable est sans importance. When you understand the principles. Lorsque vous comprenez les principes. That govern the earth. Qui gouvernent la terre. Hallelujah. Amen. Look at Shadrach, Meshach and Abednego. Regardez Shadrach, Meshach et Abednego. God's part. La volonté de Dieu. Is for them to be elevated. C'est qu'ils soient élevés. They, their part. Mais leur part. Is to stand in the way of God. Leur responsabilité c'est de tenir sous les voies de Dieu. The devil part. La responsabilité du is diable. Is to ensure they are not to nothing. C'est de s'assurer qu'ils n'arrivent pas à atteindre ce niveau.
And the devil plotted a path for them. Et le diable a comploté contre eux. That we dump them inside the furnace fire. Qui a mené à ce qu'ils finissent dans la fournaise au feu. God knows my way. Dieu connaît mes voies. Through the wilderness. Mon chemin dans le désert. All I need to do. Tout ce dont j'ai besoin de faire. Is to follow. C'est de suivre. Jesus knows my way. Jésus connaît mes voies. Through the wilderness. Ma voie dans le désert. All I need to do. Tout ce que je dois faire. Is to follow. C'est de suivre. If you are following God's path. Si vous suivez le chemin de Dieu. Your path, your life align with God's word. Lorsque votre vie s'aligne à la parole de that Dieu. The wilderness of your life. Ce désert de votre vie. Is actually taking you to your enthronement. En réalité, vous emmène à votre intronisation. Devil planned the fire for them. Le diable avait planifié le feu pour eux. They went through the fire. Ils sont entrés dans le feu. And they came out. Et ils sont sortis. And they were promoted. Et ils ont été promus. Somebody, your promotion is now. Quelqu'un, votre promotion c'est maintenant. In the name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus Christ. Now today, that I'm just trying to show you about the power of the Spirit of Revelation. J'essaie de vous montrer la puissance de l'esprit de révélation. As we advance, et nous avançons. Today, aujourd'hui, we'll be looking at the Spirit of Faith. Nous examinons l'esprit de foi. The Spirit of Faith. L'esprit de foi. There is what we call the Spirit of Faith. Il y a ce qu'on appelle l'esprit de foi. It's different from I have faith, I have faith. We are talking about the Spirit that establishes dominion. Nous parlons de l'esprit qui établit la domination. Revelation reveals things to you. La révélation vous montre les choses. Faith empowers you to dive in. Et la foi vous revêt de puissance au sujet de ces choses. Hallelujah. Amen. Like the Shadrach, Meshach, Abednego, I just make mention. Shadrach, Meshach, Abednego, dont j'ai parlé. Revelation reveals to them you cannot be on God's side and be destroyed. La révélation les a menés à comprendre que vous ne pouvez pas vous tenir pour Dieu et être détruit. Faith empowers them to counter the king's instruction. Et la foi les a revêtus de puissance afin de se tenir contre l'instruction see, du diable. All this spirit will be unveiled this month. Et donc ce mois, tous ces aspects de l'esprit nous seront dévoilés. They are interrelated. They are interrelated. Ils sont interconnectés. They don't work independently. Ils ne sont pas indépendants. You have this to go this, to go this, to go this. Vous avez besoin d'un esprit pour atteindre un autre esprit. Hallelujah. Amen. So the spirit of faith. Donc l'esprit de foi. Is not a dormant force. N'est pas une force dormante. Rather, it's a dominant force. Mais c'est une force dominante. It is the spirit of faith. C'est l'esprit de foi. That establishes the dominion of the saints. Qui établit la domination des saints. In the affairs of life. Dans les affaires de la vie. Hallelujah. Amen. The spirit of faith. L'esprit de foi. Establish the dominion of the saints. Établit la domination des saints. In the affairs of life. Dans les affaires de la vie. Mark 9:23. Marc chapitre 9 verset 3. Jesus speaking to you and I here. Jésus vous parlant et à moi aussi en disant. If thou can believe. Si vous croyez. All things are possible. Tout est possible. To him that believes. À celui qui croit. All things are possible. Tout est possible. To him that believes. À celui qui croit. But the condition, can you believe? La condition donc, est-ce que vous croyez? Hallelujah. Amen. Now hear the power of the spirit of faith. Écoutez maintenant la puissance de l'esprit de foi. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 13. 2 Corinthiens chapitre 4 le verset 2 Corinthiens 4:13. 2 Corinthiens 4:13. We have the same spirit of faith. Et comme nous avons le même esprit de foi. According as it is written. Qui est exprimé? I believe. Dans cette parole de l'Écriture. And therefore. J'ai cru. Have I spoken? C'est pourquoi j'ai parlé. We also believe. Nous aussi nous croyons. And therefore. Et c'est pour cela. Speak. Que nous parlons. Hallelujah. Amen. Now I was going through this. Because the spirit of faith, l'esprit de foi, is the same, est le même, all through ages, depuis toutes les générations. The book of faith, le livre de foi, Luke, Hebrews chapter 11, Hébreux chapitre 11, is known as the book of faith, est connu comme étant le livre de la foi. Talking about men and women of faith, parlons des hommes et des femmes de foi, and he make mention of Noah. Et là on a fait mention de Noé. So it was the spirit of faith. Et c'est donc l'esprit de foi. That make Noah to move into action. Qui a fait a permis à Noé de poser des. Obeying God's instruction. En obéissant aux instructions de even Dieu. Even when he sounded foolish. Même quand ça pensait illogique. To the ordinary man. À un homme ordinaire.
Hallelujah. Amen. The spirit of faith. L'esprit de foi. That same spirit of faith. Ce même esprit de foi. Is still the same spirit of faith we are talking about today. C'est le même esprit dont nous parlons aujourd'hui. There is no modern spirit of faith. Il n'y a pas un esprit de foi moderne. It's the same. C'est le même. So he said, according to that, he said, we have the same spirit of faith. Et nous ayons reçu le même esprit de foi. According as it's written. Selon qu'il est écrit. I believe. J'ai cru. And therefore have I spoken. C'est pour cela que j'ai parlé. We also believe. Nous aussi nous croyons. And therefore speak. Et donc nous parlons. Now let's look at one man. Regardons un homme. One of the prophets. Un des prophètes. Who demonstrated the spoken power of the spirit of faith. Qui a démontré l'esprit de puissance de la parole déclarée de la foi. 2 Kings chapter 1. 2 Rois chapitre 1. Verse 9. Verset 9. 2 Kings chapter 1 verse 9. 2 Rois chapitre 1 verset 9. And the king sent 50 soldiers. Et le roi envoyait 50 soldats. In a humiliating order. Avec un ordre bien spécifique. Giving humiliating instruction. Avec une instruction. And he said, go and bring Elijah for me. Et il leur a demandé de ramener Élie. And they got there. Et ils sont arrivés. In a humiliating order. Avec un ordre humiliant. Hey, oh man of God, go down. Oh, toi, homme de Dieu, reviens. And hear the spirit of faith. Et écoutez maintenant l'esprit de foi. If I, verse 10. Le verset 10. If I be a man of God. Et si je suis un homme de Dieu. Let fire come down. Que le feu descende. Hear me. Écoutez-moi. We are still operating that same spirit today. Nous opérons toujours avec le même esprit aujourd'hui. If I be a man of God. Si je suis un homme de whatever Dieu. Is molesting your life. Tout ce qui moleste whoever votre vie. Is intimidating your destiny. Quiconque intimide votre destinée. Is intimidating your life. Quiconque intimide let votre fire vie. Come down. Que le feu descende. Let fire come down. Que le feu descende. Let fire come down. Que le feu descende. If I be a man of God. Je suis un homme de Dieu. Anyone that dig that for you. Quiconque a creusé une fosse pour vous. Wherever they plan to destroy your life. Quel que soit le plan qui let fire vous détruire votre come vie. Down. Que le feu tombe. Let maintenant. Fire come down. If I be a man of God, je suis un homme de if Dieu. I be a man of God, je suis un homme de Dieu. Wherever they arrest your destiny, là où ils ont mis let fire come down. Le feu tombe. Let fire come down. Le feu tombe. Let fire come down. Le feu tombe. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. If I be a man of God, je suis un homme de Dieu. Any affliction, toute affliction, that follow you here, qui vous a suivi ici, let fire come down. Le feu tombe. Be a man of God. Je suis un homme de Dieu. Wherever they change your destiny. Non, ils ont changé votre let destinée. Fire come down. Que le feu tombe. Cause you there. Aujourd'hui. The spirit of faith. L'esprit de foi. Empower believers. Revêt de puissance les croyants. To believe all things. De croire en toutes choses. Is it word of God? Est-ce que c'est la parole de Dieu? Is it like word of God? Est-ce que c'est la parole de Dieu? I believe it. Je crois en cela. I believe it. Je crois. That is the spirit of faith. Ça c'est l'esprit de foi. Hear what Apostle Paul say here. Écoutez ce que l'apôtre Paul a dit. Hallelujah. Amen. Acts chapter 14. Actes chapitre 14. 19 to 20. À partir de 18 à 20. Okay, Acts chapter 24. Acte chapitre 24, verse 14. Verset 14. He said, "But this I confess unto thee." Et ceci je l'avoue. That after the way, que je crois, which they call heresy, je crois, so worship I the God of my fathers. Que je crois en ce qui est écrit selon les voies de l'Évangile. Believing all things, croyons tout ce qui est écrit, which are written in the law, dans la loi, and in the prophets, et dans les prophètes. I believe in all things. Je crois en toutes choses. Now hear what happened. Écoutez ce qui s'est produit. Look at a man that believes in all things. Un homme qui a cru en tout. Acts chapter 14. Acte chapitre 14. Verse 19 and 20. Verset 19 à 20. They gathered, they conspired against Paul. Ils ont conspiré contre Paul. They dragged him out of the city. Ils l'ont chassé de la ville. They stoned him to death. Ils l'ont lapidé à mort. They believed he was dead. Ils ont cru qu'il était mort. Of course, when a mob gathered against someone, et en réalité, lorsqu'on se rassemble contre un homme, he was actually dead. Il était réellement mort. And as they left, et lorsqu'ils l'ont laissé, he dust himself. Il s'est remis sous pied. And he got up. Et il s'est levé. Nobody revived him.
Personne ne l'a ressuscité. He touched himself. De lui-même. And he got up. Et il s'est levé. The spirit of faith. L'esprit de foi. Believe nobody can kill me. Crois en ce que personne ne peut me tuer. Hallelujah. Amen. I told you. Je vous ai dit. Your life. Votre vie. Have only two persons. Seules deux personnes. Are matters in the affairs of your life. Sont importantes dans les affaires de votre vie. Dieu. Dieu. And you. Et vous-même. So the devil thought they have killed Apostle Paul. Le diable pensait avoir tué l'apôtre Paul. But Apostle Paul said no. Mais l'apôtre Paul a dit non. I am not dying yet. Je ne meurs pas encore. I have not finished my assignment. Je n'ai pas fini ma mission. They said he was dead. Ils ont pensé qu'il était but mort. But in his spirit he stood. Mais dans son esprit il s'est tenu debout. I am not dead yet. Il a dit je ne suis pas I encore cannot mort. Die like that. Je ne peux pas mourir I comme speak ça. To somebody's life. Et je parle à la vie de that quelqu'un. Sickness cannot kill you. Cette maladie ne peut pas vous tuer. That devil cannot kill you. Cette maladie ne peut pas vous that tuer. That wickedness cannot kill you. Whatever has been killing others, tout ce qui tue les your case is different. Votre cas est différent. Your case is different. Votre cas est différent. Your case is different. Votre cas est différent. You're not preserved, Jesus. In the mighty name of Jesus. Philippians chapter 1 verse 23 to 25. Philippiens chapitre 1 verset 23. Here Apostle Paul speaking here. Et encore l'apôtre Paul parlait. He said, I am in between two opinions. Il dit je suis pressé de deux côtés. Whether to live. Soit il faut que je m'en aille. Or to stay. Ou il faut que je reste. How Karadabaya. I want you to understand your life is in your hands, sir. Je veux que vous compreniez que votre vie est your entre vos mains. Your destiny is in your hands. Votre destinée entre vos mains. Nobody can kill you. Personne ne peut vous tuer. You are unkillable. On ne peut pas vous tuer. He said, I am in between two opinions. Il dit, je suis entre pressé de deux côtés. Whether to live. Il faut que je parle. Or to stay. Il faut que je reste. He said, I would allow to live. Mais je préfère vivre. Let me go as I enjoy the glory in heaven. Mais je préfère mourir même quand j'ai le jour de la gloire au ciel. For your sake. Mais à cause de vous. There are still things you need to learn from me. Il y a des choses que vous devez encore apprendre. There are still things I need to impart to you. Il y a des choses que je dois encore vous communiquer. Let me just still remain with you. Ces choses demeureront avec vous. Ezekiel chapter 2 verse 2. Ezekiel chapitre 2 le verset 2. He said, when he speak to me. Et lorsqu'il me parle. The spirit enter into me. L'esprit entre en moi. I see somebody's life. Je vois la vie de quelqu'un. Being enveloped by the spirit of faith now. Être enveloppé par l'esprit de foi maintenant. The same faith. La même foi. At work in Apostle Paul. À l'œuvre dans la vie de l'apôtre Paul. I see it coming alive in your life now. Je vois cette foi ravivée dans votre vie maintenant. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Now. Maintenant, you think, let me tell you something. J'aimerais vous dire quelque chose. Apostle Paul, l'apôtre Paul, was the ring leader. Il était le vrai leader, meneur. That stoned Stephen to death. Il était parmi ceux qui ont lapidé Philippe. Before they threw another stone. Étienne, avant qu'on le jette. Philippe said, "Oh God." Étienne a dit, "Accept my soul." Reçois mon âme. And he slept. Et il s'est endormi. And he died. Et il est mort. When they were now stoning Paul, et lorsqu'on lapidait Paul, he remembered what happened to Stephen. Il se souvient de ce qui arrivait à Étienne. He said, "Oh God." Il a dit, "Oh Dieu." My soul is not coming yet. Mon âme ne s'en va pas encore. I am still here. Je suis encore ici. He said, "If Stephen chose to go early, si Étienne a choisi de partir très tôt, as for me, en ce qui me concerne, I am not going early. Moi, je ne vais pas encore." Hallelujah. Amen. I see somebody dead reversed to life now. Je vois le décès de quelqu'un être renversé à vie maintenant. I see somebody failure reversed to success now. Je vois l'échec de quelqu'un changer en réussite maintenant. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. So faith, or the spirit of faith, donc l'esprit de foi, is key to victory. Et la clé pour la victoire. Over the battles of life. Sur les batailles de la vie. Life is not a fun fair, sir. La vie n'est pas un jeu. Life is a warfare. La vie est un combat. If you see life as a fun fair, si vous voyez la vie comme étant un jeu, you either be a casualty of life, soit vous êtes un dommage collatéral, or you become a prisoner of life, ou vous devenez prisonnier de la vie. Life is not a fun fair. La vie, ce n'est pas un jeu. Life is a warfare. La vie, c'est un combat. Listen to me. Écoutez-moi. Life will not give you what you deserve. La vie ne vous donnera pas ce que vous méritez. Life will only give you what you demand. La vie va vous donner ce que vous exigez. All of
of us condemn the prodigal son. Chacun d'entre nous avons condamné le fils prodigue. I think Luke 11, Luke 15. Luke 15. Everybody condemned the prodigal son. Tout le monde a condamné le fils prodigue. But the prodigal son also taught us something. Mais le fils prodigue nous a aussi enseigné quelque chose. He placed a demand. Il a exigé. And said, Father, give me my demand. Il a dit, Père, donne-moi mon héritage. Give me my rights. Donne-moi mes droits. Give me my inheritance. Donne-moi mon héritage. And the father gave to him. Et le père lui a donné. Because life will only give you your demand. Parce que la vie va vous donner ce que vous exigez. After he wasted it, après avoir tout gâché, he returned again. Il est revenu. I will show you something again in that place. Je vais vous montrer quelque chose à ce niveau. They hear the elder brother. Mais écoutez son grand frère. The elder brother said, le grand frère a dit, I have been suffering all this while. Je souffre depuis tout ce temps. My father has never killed the small one. Mon père n'a même pas tué la plus petite des brebis. For me and my friend to even enjoy. Pour que mes amis et moi nous en jouissions. The father said no. Le père a dit non. All I have is yours. Tout ce que j'ai t'appartient. But you never place a demand one day. Mais tu n'as jamais exigé un jour. So that is why. Et c'est pourquoi. So that is why you can die poor. Vous pouvez même mourir pauvre. Hein? If you don't know how to place a demand. Vous ne savez pas comment exiger. How can you, the first son of the house? Comment est-ce que l'aîné de la maison? The heir apparent. L'aîné. You are always in the bush. Celui qui va toujours en every bouche. Day, every time. Chaque jour. You don't even know your birthday. Il ne connaît même pas son jour d'anniversaire. The man that knew his right. Mais celui qui connaissait ses droits. He placed a demand. Il a exigé. He had it. Et il a obtenu. When everything was squandered. Lorsqu'il a tout perdu. He said, I know how to corner my father. Il sait, je sais comment revenir vers I mon will père. Go back again. Je vais repartir. He said, I know how to corner him. Je sais comment tromper mon père. I will tell him, take me as a servant. Je vais seulement lui dire, prends-moi comme un serviteur. Which lovely father will take a son as bon, a servant? Attends, quel est le père aimant qui va accepter son fils en he tant que serviteur? He knows what he was doing. Il savait ce qu'il faisait. Hallelujah. Amen. I see your eyes open. Je vois vos yeux ouverts. In the realm of the spirit. Et par le au nom de l'esprit. To begin to possess your possession. Par l'esprit vous commencez à prendre vos possessions. Abi, Jesus didn't teach us. Jésus ne nous a pas he enseigné. Said, ask. Il a dit demandez. You shall receive. Et vous recevrez. Seek. Cherchez. You shall find. Et vous trouverez. Knock. The door shall be open for you. Vous ouvrez la porte. So when you don't place a demand, donc lorsque vous ne demandez pas, life will not give you what you desire. La vie ne va pas donner ce que vous désirez. Hallelujah. Amen. So, faith is the key. Donc la foi est la clé. To the victory. Pour la victoire. Or the battles of life. Dans les batailles de la vie. 1 John chapter 5 verse 4. 1 Jean chapitre 5 le verset 4. For whatsoever is born of God. Tout ce qui est né de Dieu. I sat down to read my King James version very well. Je me suis assis pour bien lire la version Louis II en français. He didn't say whosoever. Il n'a pas dit quiconque. Hein? Whatsoever. Tout ce. Is born of God. Tout ce qui est né de Dieu. Overcome the world. Triomphe du monde. This is the victory. Et cette victoire. That overcome the world. Qui peut triompher du monde. They say somebody will go to Facebook. On a dit quelqu'un va aller sur Facebook. And take your picture. Il va prendre votre photo. And take your image. Il va prendre votre image. To go and do evil. Il va aller faire du mal. Whatsoever is born of God. Tout ce qui est né de Dieu. As long as you are born of God, sir. Si vous êtes né de Dieu. Your car is born of God. Même votre voiture est née de Dieu. Your picture is born of vos God. Vos photos sont nées de Dieu. Your shoe is born of vos God. Vos chaussures sont nées de your Dieu. Your cloth is born of vos God. Vos vêtements sont nés de whatsoever. Dieu. Whatsoever. Tout ce. Not whosoever. Pas quiconque. Whatsoever. Mais tout ce. Is born of God. Qui est né de Dieu. Overcome the world. Triomphe du monde. This is the victory. La victoire. That overcome the world. Triomphe du monde. Even. Our faith. Notre foi. When they carry your property. Lorsqu'ils prennent vos propriétés. To the grave. Et qu'ils veulent en to use against you. Pour utiliser they carry vous. Your property. Ils prennent vos propriétés. To the marine kingdom. Pour emmener celle to the occupied kingdom. Des because you are born of God. Everything that has to do with you. Tout ce qui vous concerne. Is born of God. Et de Dieu. So wherever there's someone anything that concerns you. Donc, quand tout ce qui vous concerne, overcome the world. Et cela vient overcome le monde. The devil. Et vers le shout Dieu. Hallelujah. Hallelujah. Faith,
La foi. I want you to understand this. Je veux que vous compreniez ceci. Shall continue to be under increasing attack. La foi sera continuellement sous attaque. In this end time. Dans ces derniers temps. You'll be under increasing attack. Toujours sous attaque. You know Peter, Apostle Peter. L'apôtre Pierre. Was the most outspoken apostle disciple. Il était le disciple le plus élevé de tous. Among the 12. Parmi les 12. Among the 70. Parmi les 70. Among the 120. Parmi les 120. Among the 500. Parmi les 500. Oh, you don't know Jesus had 500 disciples? Ne savez-vous pas que Jésus avait 500 disciples? He had 500 disciples. Il avait 500 disciples. The man that was not his disciple. Celui qui n'était pas son disciple. Will not be with him at his ascension. Ce sont ceux qui n'étaient pas là lorsqu'il est monté au ciel. So it was those men that have been following him. Tous ceux qui l'ont suivi. That ran to him to his place of his ascension. Qui l'ont suivi jusqu'au lieu où il est monté au ciel. And there were about how many? Il y avait environ 500. 500 disciples. That he now told them, go to the upper room and wait. Et il a dit à ces 500, allez à la chambre haute et attendez. The 380 said, ah, he has gone. Et 380 dit, il est parti. Ah, ben, let us go on our own. Partons dans nos affaires. Only 120 made it to the upper room. Seuls 120 sont arrivés à la chambre haute. So they were all his disciples. Donc tous étaient les disciples de Jésus. Among all the disciples. Et parmi tous ces disciples, Peter was the most outspoken. Pierre était celui qui était plus élevé. And he became the prime target of the devil. Il est devenu la cible principale du diable. Alléluia. Amen. Luke chapter 22, verse 31 and 32. Luke 22, 31 and 32. And the Lord said. Et le Seigneur dit. Simon, Simon. Simon, Simon. Behold. Satan. Satan has desired. Vous a réclamé. To have you. Pour vous cribler. That he may sweat you like a wheat. Pour vous cribler comme le froment. Verse 32 says. Verset 32. He said, but I have prayed for you. Mais j'ai prié pour toi. Anyone Satan has a mark here for destruction. Quiconque est marqué ici par Satan pour la destruction. I decree that mark canceled. J'annule cette marque maintenant. Satan has marked your business for destruction. Satan a marqué vos affaires pour la destruction. Satan has marked your family for destruction. Satan a marqué votre famille pour la destruction. Satan has marked your career for destruction. Satan a marqué votre carrière pour la destruction. I decree supernatural reversal this morning. Je décrète un changement surnaturel ce matin. In the puissance de Jésus. In the name of Jesus. He said, Satan want to have you as a wheat. Il a dit, Satan désirait te cribler comme du froment. But I have prayed Mais j'ai for prié you. Pour toi. I prayed for you this morning. Je prie pour vous ce matin. You will not fail. Vous n'échouerez pas. I pray for you this morning. Je prie pour vous ce matin. You will not die before your time. Vous ne mourrez pas avant votre temps. I pray for you this morning. Je prie pour vous ce matin. Your life will not be miserable. Votre vie ne sera pas misérable. I pray for you this morning. Je prie pour vous ce matin. You will never be a curse to your generation. Vous n'allez jamais être une malédiction pour votre génération. I pray for you this morning. Je prie pour vous ce matin. You will never see shame in life. Vous ne verrez jamais la honte dans la vie. I pray for you this morning. Je prie pour vous ce matin. You will never see stagnation in life. Vous n'expérimenterez plus cette stagnation dans la vie. Oh non, puissant de Jésus. In the name of Jesus. As I round up the teaching this morning. En concluant l'enseignement ce matin. We can only quench the fiery dart of the devil. Nous pouvons seulement éteindre les traits enflammés du diable. Through the shield of faith. Par le bouclier de la foi. You must know that is what we call the fiery dart of the devil. Vous pouvez arrêter les traits enflammés du diable. The fiery dart of the devil. Les traits enflammés du diable. Ephesians chapter 5, chapter 6, verse 16. Ephesians chapitre 6, le verset 16. C'est above all. Par-dessus tout. Taking the shield of faith. Prenez le bouclier de la foi. Wherewith you shall be able to quench. Avec lequel vous pourrez éteindre. All the fiery darts. Tous les traits enflammés. Of the wicked. Du malin. Of the wicked. Du malin. That's why when you see all these people that do produce films. Quand vous voyez ceux qui sont dans le divertissement qui produisent des films, they will always produce the devil so ugly. Ils vont toujours donner au diable une image laide. A being with a teeth, big teeth coming out. Un être avec des crocs qui sortent de la with bouche. With so fiery eyes. Avec des yeux très horribles. With a very ugly horn. Avec des cornes horribles. That is not the devil. Ce n'est pas le diable. The devil was the most beautiful angel. Le diable était l'ange le plus beau. He wear those ugly masks. Il avait ce masque laid. To intimidate you. Pour vous intimider.
To intimidate you. Pour vous intimider. Daniel chapter 3. Daniel chapitre 3. 14 to 28. 14 à 28. Just look at how the king Nebuchadnezzar was intimidating these three young boys. Regardez comment le roi Nebuchadnezzar intimidait ces trois frères hébreux. He ended up by telling them, "Let me see the God." Et il a fini par leur dire, "Je vais voir le Dieu." That can deliver you from my hand. Qui peut vous délivrer de ma main? He went further. Il allait plus loin. He said, "Hit the fire several times." Il a dit, intensifier le feu sept fois de plus. And the Bible said. Et la Bible dit. Where we are in that passage of the Bible. Dans ce passage de la Bible. They hit the fire seven times. Ils l'ont intensifié sept fois de plus. So hot. Tellement chaud. That the men that threw them. Que ceux qui ont jeté même les frères hébreux. Were slew by the heat. Ont été consumés par la chaleur. So you can see how intimidating satanic voice is. C'est à ce point que la voix satanique est intimidée. If you don't do this thing, you will not see tomorrow. Si tu ne fais pas ça, tu mourras demain. I will kill you. Je te tuerai. I will kill your children. Je tuerai tes I enfants. I will destroy your business. Je détruirai tes They affaires. They are all lies. C'est tous des mensonges. If God be for you, si who Dieu can be against qui you? Peut être contre vous? And he threw them in. Et il les a jetés dans le feu. And a great astonishment. À l'étonnement de tous. All the chains. Toutes les chaînes. He used to bind them. Qu'ils ont utilisé pour les lier. Get burnt. Ont été consumés. But the men. Mais les hommes. Became glorified. Ont été glorifiés. They came out in honor. Ils sont sortis avec honneur. Whatever fire of life you are going through now. Quel que soit le feu de la vie que vous traversez. You are coming out in honor. Vous allez sortir avec you honneur. You are coming out in glory. Vous allez sortir avec you gloire. You are coming out in glory. Vous sortez avec gloire. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. And Saul shall he answer for you. Et il en sera ainsi pour vous. In Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus. Stay put. Donc soyez à l'heure. Stay put. Soyez concentré. You will come out triumphantly. Vous allez sortir de façon triomphante. And lastly, this morning. Et finalement, ce matin. The deeper the revelation. Plus profonde est votre révélation. The stronger the faith. Plus forte est votre foi. Of a believer become. Plus forte est la foi du croyant. The deeper the revelation. Plus profonde la révélation. The stronger the faith. Plus forte sera la foi. Like that passage. Du croyant, comme dans ce passage. Shadrach, Meshach and Abednego said. Shadrach, Meshach et Abednego ont dit. The God we serve. Le Dieu que nous servons. Is able to save us. Il est capable de nous sauver. These men were walking in revelation. Ces hommes marchaient avec la révélation. In a deep revelation. Une révélation profonde. He's able to save us. Il est capable de nous sauver. Say, but if he chooses not to save us. Mais s'il décide de ne pas nous sauver. Not if he cannot save us. Pas qu'il ne peut pas nous sauver. Maybe he chooses not to save Peut-être us. Peut-être qu'il choisit de ne pas nous sauver. The deeper your revelation. Plus profonde votre révélation. The stronger your faith. Plus forte est votre foi. The army came. L'armée est arrivée. And they said. To Elijah. Ils ont dit à Élie. Oh man of God, come down. Ou toi, homme de Dieu, descends. The deeper the revelation. Plus profonde votre révélation. Elijah said, okay. Élie a dit ok. Since you know I am a man of God. Puisque vous savez même que je suis I un homme de Dieu. I will tell you the capacity of a man of God. Je vais vous dire quelle est la capacité d'un homme de Dieu. What a man of God can do. Ce qu'un homme de Dieu now peut faire. Now you know I am a man of God. Maintenant que vous savez que je suis un homme If de Dieu. If I be a man of God. Et si je suis un homme de Dieu. Let fire come down. Que le feu tombe. Without doubting. Et sans douter. He knew what he said. Il savait ce qu'il disait. He have understanding. Il avait la Of the God he follows. Dieu so the deeper your revelation, Donc, votre révélation the est profonde, stronger your faith, plus forte sera votre foi, then the more dominion you command on earth. Plus vous commanderez de la domination sur terre. The last failure you have la dernière échec que vous avez expérimenté is the last failure you ever have. Sera la dernière que vous aurez connue. In the name of Jesus, dans le nom de Jésus, when issue come to you from today, à compter d'aujourd'hui face au défi, revelation will show you what to do. La révélation vous montrera ce qu'il faut. Then your faith will come into action. Et votre foi entrera en action. Then your victory shall be established. Et votre victoire sera établie. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Let me round up with David again. Et je me conjure avec David. I said because the spirit of faith. Parce que l'esprit de foi, j'ai dit. Is a speaking spirit. Est un esprit qui parle. And it becomes a dominant spirit. Et ça devient un esprit dominateur. Not a dormant spirit. Pas un esprit dormant. When he came into the scene. Lorsqu'il est entré en scène. 1 Samuel chapter 17. 1 Samuel chapitre 17. The brothers were the first to intimidate him. Les frères ont commencé à l'intimider. Quiet. Tais-toi. Who sent for you? Qui t'a appelé? Your own is too much. Tu fais un peu trop. In Asen, what concerns me and you? Et il leur a dit, mais qu'est-ce qui entre vous My et moi? My friend, get behind me. Mes amis, derrière moi.
And he went straight to the king. Et il allait voir le roi. Oh boy, you are too small. Mais tu es trop petit. No, my king. Non, mon roi. I have killed a lion. J'ai tué un lion. I have killed a bear. J'ai tué un ours. How can you be equating a giant, a war veteran with a lion and a bear? Comment est-ce que tu vas comparer un géant vétéran de guerre à des ours? Revelation. La révélation. And the faith. Et la foi. You cannot have the revelation and knowledge and not speak it. Vous ne pouvez pas avoir la connaissance, la révélation et ne pas la déclarer. That's why a closed mouth becomes a closed destiny. Quand une bouche fermée est une destinée close. The king said, okay. Le roi dit ok. Oh, yeah, come and wear this ammunition. Viens porter mon armure. He wore it. Il l'a porté. He said, oh king. Il a dit au roi. I cannot do with these ones. Je ne peux pas utiliser ton armure. Drop these ones. Laisse-moi ça. Let me go. Je vais aller. And everything was manifested. Et tout a été manifesté. By when he now told Goliath. Lorsqu'il a commencé à dire à Goliath. It is God that will bring your head down. C'est Dieu qui va faire tomber ta tête. So he discovered all the bragging David has been bragging all this while. Donc tout le temps David se vantait. Was actually tied to his revelational knowledge about God. Il se vantait de la révélation qu'il avait de Dieu. Who the battle is mine. La bataille c'est la mienne. Says the Lord. Dit le Seigneur. Are you in the right line with God? Est-ce que vous êtes en bon terme avec Dieu? I declare to you this morning, whatever battle that is challenging your life, that is threatening your life, menace votre vie. Yeah, écoutez, God says the Lord, le the battle is mine. La bataille au God Seigneur. Says the Lord, ainsi parle le the Seigneur. Battle is mine. La bataille est la mienne. God says the Lord, le Seigneur. The battle is mine. La bataille est à moi. I see the head of Goliath coming down for you. Je vois la tête de ce Goliath tomber en votre faveur. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Amen. So access to the spirit of faith. Donc l'accès à l'esprit de foi. Demand desperation. Exige une soif. Like every other gift of the spirit. Comme tout autre don de l'esprit. 1 Corinthians 12, 31. 1 Corinthiens chapitre 12, 31. Say, but covet earnestly the best gifts. Parlons des dons de l'esprit. And yet, I show unto you a more excellent way. Aspirez dans les meilleurs et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Covet me be desperate. Aspirez, soyez déterminés à recevoir. Be desperate. Soyez aspirés. Hallelujah. Amen. Be desperate. Aspirez à cela. When God has confirmed to me. Lorsque Dieu m'a confirmé that I should be an extended hand of Bishop Oyedepo, que je devrais être une main en extension de l'évêque David Oyedepo, I went on a 3 days mountain dry. Je me suis engagé dans un jeûne de 3 jours. No food, no water. Sans nourriture, sans I eau. Locked myself in the room. Je me suis enfermé dans la chambre. And I said, Father, et j'ai dit, Père, whatever is answering for Oyedepo, tout ce qui répond à Oyedepo, let it answer for me. Que cela réponde aussi I pour moi. I drink into his spirit. Alors je m'inspire de and son on esprit. The third day, et au troisième jour, I saw the rain of the spirit falling on me. J'ai vu la pluie de l'esprit tomber sur moi. And as I came out, et en sortant de là, I went to church. Je suis allé à l'église. And I was told, et on m'a dit, the names of other were released. Le nom des autres a déjà été mentionné. My name was not there. Et mon nom n'y était pas. And one of my colleagues, un de mes collègues, who we both went to Canada for the exam and interview, qui m'avait accompagné à l'interview à Canada, he was telling me just relax. Il m'a dit garde ton calme. Alain de Wusud make call for another exam and interview again. En réalité, ils vont encore organiser un autre panel pour un autre entretien. I said, are you talking to me? J'ai dit tu parles à moi? This one we both went. Cet entretien que nous avons passé ensemble. My name must come out. Mon nom doit sortir. He said, I've forgotten you are a man of faith. J'avais oublié que tu étais un homme de foi. I said, okay. Je dis ok. Then that was on Saturday. Et la fin de la semaine de Sunday samedi. Morning. Dimanche matin. Because as a brother. Parce qu'en tant que frère. Think our church, D-Line Church was over 15,000 then. En fait, l'église était environ 5,000 places. And we have 3 services. Et nous avions 3 cultes. I have a place where I usually sit. Il y avait un siège sur lequel je m'asseyais toujours. And the assistant pastor know my spot where I usually sit. Et l'assistant du pasteur donc connaissait toujours ce siège-là. So on Sunday morning. Et donc le dimanche matin. I was sitting again. J'étais assis là. I just heard a tap behind me. Et là, j'ai senti une tape sur mon épaule. Congratulations. Félicitations. Your letter came out last night. Ta lettre est sortie la nuit dernière. Hallelujah. Amen. The spirit of faith. L'esprit de foi. We refuse to accept no for an answer. Va refuser un non comme réponse. The spirit of faith. L'esprit de foi. We refuse to accept negative.
negative for an answer. Refuse le négatif comme réponse. Elijah asked the servant. Élisée a demandé à Elijah went to pray. Elle va prier. And he asked the servant. Il a dit à son serviteur. Go and check. Va vérifier. He came back. Il est revenu. And said no sign of rain. Il n'y a pas de signe de pluie. He said go back again. Repart. He remained on prayer. Il a continué à prier. He went back. Il est reparti. He came back. Le serviteur oh est revenu. God, I said no show of rain. Je dis il n'y a pas de signe de pluie. Elijah said go back again. Élie a dit va encore. The spirit of faith. L'esprit de foi. We never accept negative for an answer. Ne va jamais accepter le négatif comme until réponse. Until the seventh time. Jusqu'à la septième fois. He said oh God. Il a dit patron. I saw a little sign. J'ai vu un petit signe. What does that mean? Just a little sign. Qu'est-ce que ça veut dire un petit he signe? Get away. Ah, I've gotten what I want to hear. J'ai déjà entendu ce que je voulais. A little sign. Un petit signe. All I need is a sign. Ce dont j'ai besoin, c'est un I've signe. I've seen the sign. J'ai vu le signe. And it rained. Et il a plu. The spirit of faith. L'esprit de foi. We never accept negative. Ne va jamais accepter le for négatif. An answer. Comme réponse. Hear me. Écoutez-moi. Whenever they give you negative results. Là où vous a donné un résultat négatif. Say that is not the result. Dites ce n'est pas mon résultat. Are we together? Est-ce que nous sommes ensemble? Say that is not the result. Satan c'est pas mon résultat. Stand your ground. Tenez-vous ferme. Devil will shift his ground. Et là le diable prend. I see your testimony. Je vois votre témoignage. Delivery speedily. Être libéré rapidement. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. And amen. Amen. As we round up this morning, en concluant ce matin, let's quickly look at some keys for generation breaking of generational curses. Quelques clés pour briser les malédictions générationnelles. Breaking of generational curses. Briser les malédictions générationnelles. I want you to understand that curses are real. Comprenez que les malédictions sont réelles. But the good news. Mais la bonne nouvelle. That all curses. Que toutes les malédictions. Including generational curses. Même celles qui sont générationnelles. They are reversible. Sont reversibles. No curse is permanent. Aucune malédiction n'est permanente. Even the one you inherited. Même celle dont vous avez hérité. The one you acquire ignorantly. Celle que vous avez de façon ignorante acquise. They are reversible. Peut être renversées. I stand on this altar. Et je me tiens sous cet this hôtel. This liberation altar. Sous cet hôtel de libération. Whatever represents curse on your life. Tout ce qui représente malédiction. Generational, all the ones you enter ignorant, all diabolical, I declare their reverse. Que sont changées. I declare their reverse. Que sont renversées. I declare their reverse. Que sont renversées. I show you one mystery about God. Was it on Thursday? Je pense jeudi, je vous ai montré un mystère de Dieu. That evil Ahab. Même Akab, with all his wickedness, avec toute sa méchanceté, God make a decree. Dieu avait décrété against him. Avait pris un décret contre lui. As he broke down, lorsqu'il a été abattu, asking for forgiveness, demandant pardon, God sent again. Dieu a de nouveau envoyé. He said, "You can you see how Ahab repented? Tu vois comment Akab s'est repenti? Tell him he will not see these evils again. Dis-lui, il ne verra plus ce mal. But the children will see the evil. Mais ses enfants verront ce mal. Not because God hates the children. Ce n'est pas que Dieu hait les enfants. Because God knows the children will like to walk in the evil way. Parce qu'il savait que ces enfants là allaient choisir de marcher dans les mauvaises voies. If the man that caused the problem, si l'homme qui a causé le problème, receive mercy, a reçu la miséricorde, is it the children that didn't cause it that will not receive mercy? Est-ce que ce sont les enfants qui ne sont pas responsables de ça? God knows that the children's heart will be so hardened. C'est parce que les enfants certainement étaient très durs aussi. They will not break down. Ils n'étaient pas abattus. They will like more wickedness. Ils étaient plus engagés dans la méchanceté. Hallelujah. Amen. So if God own curse, si la malédiction de Dieu was reversed by God, see, a été renversée par Dieu, so who is now that devil? Quel est donc ce démon? That we say your curse will not be reversed. Qui va dire que votre cette malédiction ne sera pas renversée? In the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. Any curse on your life. Toute malédiction sur votre vie. I declare they reverse now. Je déclare qu'elles sont renversées maintenant. Every curse in your family. Toute malédiction dans votre famille. I declare they reverse now. Je déclare renversées maintenant. Every curse holding your business. Toute malédiction qui retient vos affaires. I declare they reverse now. Je déclare renversées maintenant. Au nom puissant de Jésus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Amen. Galatians chapter 3:13-15. Galates 3:14. One of the reasons Jesus died for you and I. Une des raisons pour lesquelles Jésus est mort is to reverse the curse. C'est pour renverser la bénédiction. The blessing. Et pour vous donner la bénédiction. Abrahamic blessing. La bénédiction abrahamique. Colossians 2:14. Colossiens 2:14. Blotting out the handwriting. Il a effacé l'acte dans les ordonnances. Of ordinances that was against us. Nous condamnait. Which was contrary to us. Qui subsistait contre nous. And took it. Et il a on the way. Détruit. Nailing it in his cross. En le clouant à la croix. Hallelujah. Amen.
He took my curse. Il a pris ma malédiction. He took your curse. Il a pris vos malédictions. He took my failure. Il a pris mon échec. He took your failure. Il a pris votre échec. He took my misfortune. Il a pris ma malchance. He took your misfortune. Il a pris mes malchances. He took my untimely death. Il a pris votre he took your untimely death. Votre mort précoce. To the cross. À la croix. And nailed it there. Et il a cloué. And disgraced it. Et il a humilié. Openly. Publiquement. No more curse on your life again. Plus de malédiction dans vos no vies. No more curse on your life again. Plus de malédiction dans vos vies. Oh non, prison de Jésus. In the mighty name of Jesus. Now, what do we do? Mais donc, que devons-nous faire? To enter into the reality of blessing. Pour expérimenter la réalité des bénédictions. Serve the Lord. Servez le Seigneur. Keep serving the Lord. Continue à servir le Seigneur. Keep serving the Lord. Continue à servir keep le Seigneur. Keep serving the Lord. Continue à servir le Seigneur. Exodus 23. Exode 23. 23 to 25. 25 à 26. Say, thou shalt serve the Lord thy God. Servez l'Éternel votre Dieu. And he will bless. Et il vous bénira. He will take sickness away. Il éloignera la maladie. He will take disease away. Les infirmités. He will take barrenness away. La stérilité. Take contaminated death away. La mort précoce. Rise on your feet this morning. Donnez-vous sur vos pieds ce matin. And shout hallelujah. Say no more curse in my life. Plus de malédiction dans ma vie. Say no more curse in my family. Plus de malédiction dans ma famille. No more curse in my generation. Plus de malédiction dans ma génération. Whatever represents curse. Tout ce qui représente la malédiction. I drop them now. Je rends tout maintenant. I drop them now. Je dépose tout maintenant. In the name of Jesus. Dans le nom now de Jésus. Now lift your voice to heaven. Élevez votre voix. Begin to drop any curse. Commencez à déposer ces malédictions. Whatever represents curse. Déposez ces malédictions. Barrenness is a curse. La stérilité est une malédiction. I drop it now. Je dépose ça maintenant. Untimely death is a curse. La mort précoce est une malédiction. Pauvreté is a curse. La pauvreté est une malédiction. I drop them now. Je dépose ça maintenant. Terminal diseases. Les maladies incurables. Sickness and diseases. Les maladies incurables. I drop them now. Je dépose maintenant. No more curse in my life. Plus de malédiction dans ma no vie. No more curse in my family. Plus de malédiction dans ma famille. No more curse in my bloodline. Plus de malédiction dans ma lignée sanguine. Whatever represents curse in my life. Plus de malédiction dans ma vie. In my family. Ma famille. In my bloodline. Dans ma lignée sanguine. I drop them now. Je dépose tout maintenant. 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 In the name of Jesus. Dans le nom de I Jésus. I drop them now. Je dépose tout maintenant. I drop them now. Je dépose tout maintenant. Lord. Merci Seigneur. Thank you Lord. Merci Seigneur. In the name of Jesus the Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. I stand on this liberation altar. Et je me tiens sur cet autel de libération. Every altar of curse. Tout autel de malédiction. Erected against your life. Érigé contre votre vie. Erected against your family. Érigé contre votre famille. I command the altar to collapse. J'ordonne que cet autel s'effondre. Whatever represents curse in your bloodline. Tout ce qui représente une malédiction dans votre lignée sanguine. By the blood of Jesus Christ. Par le sang de Jésus-Christ. I erase them now. J'annule cela maintenant. I erase them now. J'écris 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 cela maintenant. Oh non, prison de Jésus. In the name of Jesus. You are free. Vous êtes libre. From any form of curse. Plus de malédiction. In Jesus' name. Au nom de Jésus. In that Galatians chapter 3. Dans Galates chapitre 3. Verse 13 to 15. Verset 13 à 15. It says Christ has redeemed us. Christ nous a rachetés. From the curse of the law. De la malédiction de la loi. He made the curse for us. Étant devenu une malédiction. That curses any man that is hung on the tree. Car maudit est quiconque est pendu au bois. That Abrahamic blessings. Afin que les bénédictions d'Abraham. Might come on us. Soit le partage des païens. Abba Father. Abba Père. As I partake in this holy communion, en prenant la communion ce matin, the body of Jesus Christ, le corps de Jésus-Christ, the blood of Jesus Christ, le sang de Jésus-Christ, I tap into the reality. J'accède aux réalités of the Abrahamic order of blessings. Des bénédictions d'autres Abrahamiques. In the name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus. Lift your voice to heaven. Élevez votre voix. Declare that prayer. Et déclarez. Declare, declare, declare. Faites cette prière. I tap into the Abrahamic order of blessings. De la bénédiction de l'autre Abrahamique. By the blood of Jesus Christ. Dans le sang de Jésus. Abba Father. I say partage. En prenant la communion. In this holy communion. Cette communion. I tap into the reality. J'accède aux réalités. Of Abrahamic
Lord of in the name of Jesus Christ. Au nom de Jésus Christ. I tap into the reality. J'accède aux réalités. I tap into the reality. J'accède aux réalités. I tap into the reality. J'accède aux réalités. Of Abrahamic order of blessing. En bénissant de Lord of Abraham. I tap into the reality. J'accède aux bénédictions. Of Abrahamic order of blessing. En bénissant de Lord of Abraham. I tap into the reality. J'accède aux bénédictions. Of Abrahamic order of blessing. En bénissant Abraham. I tap into the reality. J'accède aux réalités. Of Abrahamic order of blessing. En bénissant de Lord of Abraham. I tap into the reality. J'accède aux réalités. Of Abrahamic order of blessing. En bénissant de Lord of Abraham. In my business, dans mes affaires, in my career, dans ma carrière, in my health, dans ma santé, in my family, dans ma famille, whatever concerns me, tout ce qui me concerne, today, à partir in my ministry, c'est délivré. I tap into the reality, c'est de la réalité. Of Abrahamic order of blessing. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. In Jesus' most glorious name, au nom glorieux de Jésus, we have prayed. Nous avons prié. As you declare it, et comme vous l'avez déclaré, so you shall manifest it. Il en sera ainsi. As you declare it, et comme vous l'avez déclaré, so you shall manifest it. Il en sera ainsi. In Jesus' name, au nom de Jésus. Before we partake in the Holy Communion, avant de prendre la communion, Jesus Christ is the same. Jésus Christ a dit, yesterday, yeah. Today, il est le même hier, and forever. Aujourd'hui et pour toujours. Upon Mount Zion, et sous la montagne de Sion, there must be deliverance. Il doit avoir la délivrance. Before holiness, avant qu'il y ait la sainteté, before you possess your possession, et avant de reprendre vos possessions, you are here this morning. Vous êtes là ce matin. You know you have not surrendered to Jesus. Vous savez que vous n'avez pas encore donné votre you vie à Jésus. You need a total deliverance. Vous avez besoin d'une délivrance totale. Or you surrender to Jesus. Vous voulez vous abandonner à Jésus. You still see yourself. Peut-être que vous avez fait doing things you don't like doing. Mais vous voyez faire les choses que vous n'aimez pas doing things that do not give glory to God. Faire des choses qui ne rendent pas gloire à Dieu. It means you need total deliverance. Ça veut dire que vous avez besoin d'une délivrance totale. And only Jesus can deliver you. Et seul Jésus peut vous délivrer. You need that deliverance. Vous avez besoin de cette délivrance. Before you can take your blessing this morning. Avant de prendre votre bénédiction ce matin. If you are in that category, si vous faites partie à une de ces can catégories, can you lift your hand above your head? Levez votre main au-dessus de votre tête. What a prayer! Special, you need prayer this morning. Une prière spéciale pour vous. The Lord bless you. Que Dieu vous bénisse. Lift your hand above your head. Levez bien votre the main. Lord bless you. The Lord bless you. Hallelujah. Amen. Please leave your seat. Just come si to the altar. Come to the altar. I want venez to lead you on a special prayer. The Lord bless you. The Lord bless que you. Venisse. Be fast. Be fast. Be fast. Be fast. Rapidement, rapidement. I want to lead you on a deliverance prayer. Je vais prier pour the vous. Lord bless you. The Lord bless you. The Lord bless you. The Lord bless you. The Lord bless you. Leave your seat. Leave your seat. Whatever you are there, leave your seat. Leave your seat. Come over. Come over. Venez, venez, venez. There must be deliverance first. Before you possess your possession. Upon Mount Zion, la montagne de there Sion, is deliverance. Il y a la délivrance. Today is your deliverance. Aujourd'hui c'est votre today délivrance. Is your deliverance. Aujourd'hui c'est votre délivrance. Today is your deliverance. Aujourd'hui c'est votre délivrance. Today is your deliverance. Aujourd'hui c'est votre délivrance. Today is your deliverance. Leave your seat. Leave your seat. Today is your deliverance. Aujourd'hui c'est votre délivrance. Today is your deliverance. Today is your deliverance. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Today is your deliverance. Aujourd'hui c'est votre délivrance. The devil has lost it completely. Le diable a perdu. Thank you, Lord. Merci, Seigneur. 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 In Jesus' precious name. Au nom précieux de Jésus. Congratulations. Félicitations. If you want to join them, come and join them. Vous pouvez vous joindre à eux. There must be deliverance first. Vous avez besoin de la délivrance. Before you possess your possession. Avant de reprendre vos possessions. It doesn't matter how long you have been in the church. Peu importe la durée à l'église. So if you are that person, you put your right hand on your chest. S'il vous plaît, votre main droite sur la poitrine. Close your eyes. Fermez vos yeux. And repeat this prayer after me. Faites cette prière après moi. Say, Father. Dites, Père. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. I come before you this morning. Je viens devant toi ce matin. Just as I am. Comme je suis. A sinner. Un pécheur. I acknowledge I cannot help myself. Je reconnais que je ne peux pas m'aider moi-même. That you, Jesus Christ. Et que toi, Jésus Christ. You die for me. Tu es mort pour moi. You shed your blood for me. Ton sang a coulé pour moi. And you resurrected for me. Et tu as ressuscité pour moi. From today, Jesus. À compter d'aujourd'hui. Come into my life. Entre dans ma vie. Be the Lord of my life. Sois le Seigneur de ma vie. Be my Savior. Sois mon Sauveur. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. I know from this moment. Je sais qu'à partir de maintenant. I am born again. Je suis né de nouveau. I am saved. Je suis sauvé. I am delivered. Je suis délivré. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Satan. Satan.
concerning my life, au sujet de ma vie, get lost. Tu as perdu. In Jesus' name. Au nom de Jésus. And amen. Amen. Let me pray for you. Je vais prier pour vous. Father, in the name of Jesus Christ. Père, au nom de Jésus. Behold your sons and your daughter. Contemple tes fils whom et tes Jesus filles, have redeemed. Que Jésus a racheté. They have come into the reality of their redemption today. Ils sont dans la réalité de leur rédemption aujourd'hui. The grace upon my father Oyedepo. La grâce sur mon père David Oyedepo. Let it rest upon these ones. Que cette grâce repose sur eux. They will not fail. Ils n'échoueront pas. They will not faint. Ils ne chancelleront pas. They will keep advancing. Ils continueront à avancer. In you, Lord. En toi. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Whatever covenant they have with the devil, toute alliance qu'ils avaient avec le diable, I declare it broken now. Je la déclare brisée maintenant. In Jesus' name. Au nom de Jésus. And amen. Amen. Congratulations. Félicitations. You are blessed. Vous êtes béni. Just follow the kingdom friends. Suivez les officiels. They will give you further information. Ils ont quelques informations pour vous. Sur votre droite. They will give further information. Hallelujah. Amen. In the name of God the Father, au nom de Dieu le Père, the Son, the Holy Spirit, le Fils et le Saint-Esprit, this table is declared blessed, cette table est décrétée bénie, sanctified, sanctifié. From this moment, à compter de maintenant, the true blood of Jesus, le sang de Jésus, and the true body of Jesus, véritable et le corps by véritable this holy de communion table, et par cette communion, enter into the reality, entrer dans la réalité, of Abrahamic order of blessings, la bénédiction d'ordre abrahamique, in Jesus' precious name, au nom précieux de Jésus, and amen, amen. Please have your seat. S'il vous plaît, asseyez-vous. After partaking, après avoir pris la communion, jump up and celebrate your victory. Venez-vous sur vos pieds célébrer Dieu. Alléluia. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa.